L'assassinat de 6 personnes, dont 5 policiers, dans la localité d'Irumu, située à plus ou moins 55 km de Bunia sur la route nationale numéro 27. Le gouvernement provincial de l'Ituri condamne cet acte des hommes armés non autrement identifiés contre un poste de police. Tout en compatissant avec les victimes, le gouverneur intérimaire de cette province promet des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs de ce crime. Youssouchane Boulé Ibrahim est au micro de Marcus Jean-Loïc. C'est une perte énorme, nous déplorons et nous condamnons fermement cet acte. Et par la même occasion, nous voulons ici adresser nos sincères condoléances à la police nationale congolaise, les commissariats de l'Ituri. Et donc, nous compatissons avec leurs familles biologiques. Les corps des victimes sont actuellement à la morgue. Nous sommes en train de nous déployer pour organiser les obsèques dignes de leur nom. Et je crois que les services sont déployés, n'est-ce pas, pour pouvoir remonter les informations et enquêter pour identifier les pistes. Nous appelons la population à la vigilance et de dénoncer tous les mouvements suspects dans leurs environs. Donc nous devons tous contribuer pour la sécurisation de notre zone. Nous sommes dans une zone opérationnelle, nous sommes dans une zone de guerre pratiquement. Et donc la vigilance est invitée de la part de tous les citoyens et des services également.